Mais le popcorn est délicieux. Chut, le film commence. Vous avez mérité ce privilège. Si vous ne voulez pas le perdre, vous devez rester en silence. Bon film. J'ai voulu le regarder à la maison, mais ma maman m'a dit que ce film s'adressait à un public de 13 ans et plus. J'ai vu ce film et je considère que nous sommes en mesure de le regarder tous ensemble. Ça commence. Hey, cette école ressemble vraiment à la nôtre. Calme. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Parlez-vous notre langue? C'est scientifiquement impossible. Nous, amis-vous gentils? Ce ne sont pas des vrais extraterrestres, c'est impossible. Hello, salam alaikum. Et si vous? Hola, bonjour, konnichiwa, bonjour, ni hao, priviat. Bonjour. Oui, nous sommes gentils. Nous venons de la planète Pluton que vous, les terriens, ne considérez plus comme une planète. Elle ne fait plus officiellement partie du système solaire car elle est trop petite comparativement aux autres planètes. Mais elle existe encore, vous savez? Mais comment êtes-vous venus sur Terre? Nous avons créé le film que vous écoutez pour pouvoir venir sur Terre. Blip bloup. Hey, mange mon popcorn. Votre popcorn est vraiment délicieux, mais j'aurais aimé avec un peu plus de beurre. Chef, une manche de météorite jaune. Ce n'est pas des météorites, c'est du popcorn, c'est du maïs soufflé. Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi êtes-vous venus nous rencontrer? Nous sommes venus pour ramener un élève à titre de cobaye pour faire des expériences. Qui aimerait venir? Quel genre d'expérience voulez-vous faire avec nos amis? On a besoin d'un être humain pour voir si vous seriez capable de survivre sur notre planète en cas de disparition de la vôtre. Oh, c'est la fin du monde! Mais de quel monde il parle? Bah, du monde du popcorn, voyons. Ça suffit, tes histoires de nourriture. Passons aux choses sérieuses et revenons à nos galaxies. Si on ne survit pas, nous allons mourir? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous cloner à l'avance au cajou. Bip bloup. Ouais, mais ce n'est pas un peu dangereux? Et si mon clone est mal fait? Et s'il meurt? Ne vous inquiétez pas, notre technologie est beaucoup plus avancée que la vôtre. Pourquoi notre planète disparaîtrait? Mais qu'est-ce qu'elle a, notre planète? Elle va très bien. Elle va très bien, notre planète. Nous avons la COP 15 et la COP 27. C'est quoi la COP 15 et la COP 27? Ce n'est pas la coupe 27 et 15, c'est la COP. C'est une réunion des hauts dirigeants de la planète Terre qui discutent ensemble des mesures à prendre pour contrer le changement climatique. Car si ça continue ainsi, la Terre deviendra invivable. Donc, qui se porte volontaire pour venir avec nous? Alors, nous n'avons pas le choix. Nous devrons faire mon petit ovni à mal aux yeux. Je crois que c'est comme ma petite vache à mal aux pattes. Mon petit ovni a mal aux yeux, tirons-le par les antennes, il ira bien mieux dans une galaxie ou deux. Oh mon Dieu, tu avais vu juste. Toi, ami humain, nous te ramenons à bord d'un vaisseau spatial. Chef, ma montre carte galactique indique que c'est le moment de partir. Selon mon ordinateur, malheureusement, votre fusion terrestre est altérée et polluée. Nous ne pourrons pas décoller et retourner chez nous. Yahoo, je reste chez nous. Ah, par contre, je ne devrais pas être content car notre terre est donc très polluée. Yahoo, on pourra manger des météorites jaunes à volonté. Ce n'est pas des météorites jaunes, c'est du popcorn en voiture.
Ouf, on a une longue journée. J'espère que vous avez compris que nous avons un problème de pollution sur Terre et que nous devons lutter pour améliorer la biodiversité et contrer les changements climatiques. Nous aurons besoin de vous, chers extraterrestres. Nous acceptons de vous aider avec plaisir, et ce pour quelques années. D'ici là, nous allons dépolluer votre air ainsi que le plutonium et nous allons décoller avec l'élève 13. Scène 4, arrête. Scène 4, plan 7, prise 1. Scène 4, plan 7, prise 1. T'es-tu sûr? Bah oui. Ok. Coupé, non? Hey, j'ai pas coupé. Ok, on coupe. Scène 2, plan 12. Non, c'est pas vrai. Oui. Oui. Scène 2, plan 12, prise 1. OK. Scène 1, plan 8, prise 1. C'est certain? Oui. Scène 2, plan 3, prise 2. C'est certain? Oui. OK. Ah, oh, je vois rien. Scène 2, plan 10, prise 1. C'est certain? Nous, amis... attends. OK. Non, j'ai pas dit action, parce que... Nous, amis, non, ben là, vous gentils. Ah! Qu'est-ce que je fais ici? 2, 3, action! C'est scientifiquement impossible. Mais de quel monde il part? Non, mais faut pas que tu regardes, faut que tu regardes tes amis. Oh mon Dieu, tu avais bon, vu juste... encore. Os! C'est pas grave! Scène 2, plan 16, prise 1. Très bien. Alors, Félix, wow. C'est la fin du monde! Ok, mais arrête de me regarder. Ouf, on a une longue journée. J'espère que vous avez compris que nous avons un problème de pollution et que nous devons lutter pour améliorer la biodiversité et contrer les changements climatiques. Nous aurons besoin de vous, chers extraterrestres. Et que nous devons lutter. Non, tu regardes la caméra. Prise 1. T'as pas de l'air sûr. D'ici là, nous allons avec plaisir. Non, et ce, pour quel... Scène 4, plan 6, prise 1. Allô?